m'a fini par m'accompagner, il m'a dit maman, papa, dis papa, levez-moi, je vais dormir. Il criait, Ignace, Ignace. Papa puis ronfler. Un frère Edouard, allez, pas l'appel docteur. Le docteur est venu, docteur la Cunarène. Nous habitons à Blondeau. À Blondeau, et Blondeau avec la Bourdonnée. Et il est sorti là, il a vite, il a galopé, il y a la Cunarène. Regardez un coup, monsieur, il y a un problème. Là. La Cunarène, il continue à se dire ce cinéma. Et le frère de mon papa, le petit frère, Bonnien passe là, il est mon papa. Quand j'ai un petit film, il perd le cinéma lui aussi. Et aussi, vous me voyez un limonade dans de la bébête, il est jeune en dehors. Alors qu'il quitte sa femme avec ce frère-là. Alors il y a une petite affaire là-bas. Il vient de cinéma. Il y a tout frère, moi, il vient de cinéma. Il rentre en riant, hein. Mon papa était son parrain. Il est là qu'il connaît ce parrain, moi. C'est un peu parce que le résultat de l'examen est passé, tout le collège. Quand mon papa postait tout Olivia. L'an dernier, moi, j'avais trois vivres, une femme, mais nous. Un enfant, quand je mets les bras de ce nouveau professeur là, quand lui, mon enfant monte les mains. Ah, vous mettez les bras, je dis oui. Je dis, mais comment vous papa appelez? Je dis, mon papa appelle Ignace. Mais quand il travaille, je dis, il travaille dans ses mêmes fiers. Mais que c'est là où famille, je dis, mon grand-père pauvre. Ah, et t'as tes enfants pauvres ça? Ah, ben, où vivez-vous contre moi là? Non, il n'est pas plus que toi, il est moi parce qu'il m'a plus grand que toi. Ça, c'était comique, ça. Là, moi, j'ai 7 ans, 8 ans, je me suis chanté. Un jour, je me pose la même question à ma maman. Je me dis, maman, depuis quand je commence à chanter? Maman, tu peux attendre qu'il y ait 4 ans, 5 ans, il y a peut-être commencé à chanter depuis dans le ventre. Je me dis, dans le ventre? Dans mon ventre? Il dit, non, dans mon ventre. En parlant, son ventre. Hein. Moi, tu chantes dans ton ventre? Il dit, oui. Mais il y avait comment mon garçon dans ton ventre? Il dit, mon papa, ouais. Ça, c'est l'ouvrage de bon Dieu, ça. Moi, je me suis débuté l'école Madame Goudet, la rue Bandé-Rodil. Commence à prendre 26 chanteuses d'enfants, là. Là, je rentre primaire, l'école des sœurs, c'est de Rodil, l'école Bon Secours. 7 ans, je chantais comme ça, puis là, elle m'a fait la première communion, là, à 8 ans. Je me rappelle, nous avons fait retraite 3 jours avant la communion. Là, hein. Un garçon, une fille, quand on est allé dans l'église, qui m'ont donné en train de chanter. Là, avant, finalement, plus tard, quand on est un petit peu plus grand, monsieur Domingue, pas Domingue maintenant, là, Domingue Boulompéa. Oui. Père. Monsieur Domingue a amené moi dans la tribune, dans la messe, dans les enfants, ça m'a chanté là-bas. Dans la tribune avec les géologues. Oui. Et puis plus tard, on rentre dans Kervaillon. Aller comme ça. Un jour, nous, dans le médecin Kervaillon même, Kervaillon, c'était une organisation catholique, ça. Un jour, entre nous, nous finissions l'orchestre. Nous trouvions qu'une conduite. Entre nous, nous disons, hey, on a gagné l'hôtel, nous sommes pas là. Nous gagnons l'hôtel Porte-Sable, l'hôtel Aken, Porte-Sable. Comment on fait ça, Golden. Golden, l'hôtel Golden. On a joué dans l'hôtel Golden. Maintenant, on va mettre le journal. Il dit, pour péter Golden, mais qui nous va mettre le ça? Pour dire, mais l'orchestre est vaillant. Il met le vaillant, il met le journal. Il y a un père qui curé par paroisse. Qui curé fait appel nous, il a mais j'ai vu votre photo, une photo de votre orchestre ici, là, je vois les cœurs vaillants. Là, vous mettez quand on suit à l'hôtel Golden, vous allez jouer dans les hôtels maintenant. Non, je ne veux pas de ça. Mais là, on a dit pour venir aller, jouer dans l'hôtel. Donc là, on a l'hôtel de l'année de Kervaillon, là. L'hôtel Golden, moi, pas connu, je connais, c'est moi, c'est un autre musicien, qui s'appelle Ramor, c'est saxophone.
en dessous de l'accordéon. L'accordéon, maman chantait. Étant musée de trois semaines de haut, à quand les propriétaires, tout le Christ bon, du monde content. Étant musée à l'intérieur. À l'intérieur, c'était pour un peu ben, plus haut classé, un peu de la haute bourgeoisie, six ans dedans. Vas-y. Et Madame Ramot a dit que cette fille faisait dans ce garçon faisait dans Golden Lip. Il n'y a pas été en parler. Ce garçon dans Golden Lip, il y a un peu de gars, un saxophone, il ne m'apprend pas moi-même. Les voitures de quartier militaire, on apprend ces gars avec petit frère. De temps en petit frère finit travailler dans le bus, il contrôle le bus, finit travailler, il prend sur la vanne, sur bouteille du vin, il va à la boutique, il y a des bouts. De taper avant de chanter, de boire. Là, moi l'écoute tout, mais petit frère, tu me vois, moi j'ai bien allé, moi l'écoute lui. Les temps, moi l'écoute lui. Moi j'ai dit, mais je taper avant, et puis. Et là, il y a la chasse dans l'époque, la chasse, dans avant ceux qui avaient le ban, mettez à tuer. Mettez à tuer là. Il y en a à peu près dans les 20 personnes, 21 personnes, à peu près, 7 débouts comme ça. Regarde par là-bas, c'est des bouts comme ça, regarde par là-bas, c'est des bouts comme ça, regarde par là-bas, c'est le devant, ça veut dire que c'est le devant, là, il y a comme ça, ça n'a comme ça, ça comme ça, je ferme ça, je ferme ça, c'est là, de quatrième place là, un chasseur avec le fusil. Nous nous mettons à tuer, nous couillons, un cerf, un lièvre, tout qualité de bête qui est là, mon gouche, ça, dirige vers les chasseurs, ça vient de tirer. Et pas payer nous ça. De nous, comment moi, la cuisse, belle la cuisse CF, pour ça, on m'a mis la casse. Mal de ça, maman, elle m'a mis ça au Brésil, me donne mon grand-père, mon tante, tout ça là. Jusqu'à ce qu'on rentre dans l'armée, ça va être un cavalier de Brésil, moi, je suis en santé de chiffrer, dans le concert. Après, là, moi, écrit un camarade appelé Alex Tanit, il écrit. Un chanteur appelé Eugénie Lafsavella. La musique, mon mes paroles. Eugénie Lafsavella, Lafsavella, vite d'affaire. Ça. Alors, lui met de la musique, mon mes paroles. Il a fait un disque d'amour pour lui. L'autre côté, j'ai mis un peu l'autre côté. C'est là où il a écrit Maman, moi, il est mort. Oui, maman, je vais grandir. Pour que je grandisse alors, moi, maman. Maman, je l'aime ça. Pourquoi pas qu'un jour, c'est ça. Léa m'a fait Madame Eugène, côté Benpin ici. Benpin a eu l'occasion de la police pour accompagner moi. Parce que moi, là, je suis une figurante dans le ministère. Je suis une figurante dans le ministère. C'est Madame Brooks qui change la musique. Un jour, il y a un concert. Mais Philippe Ossan, il y a une bonne santé avec ce loquet, ce plaza. Moi, allez, le temps où le plaza, ma chanteuse. Ma chanteuse. Ça, madame Eugène là. Moi, je commence par anglais. What you've done to me. What you've done to me de Polanka. Je sens ça accompagné par police ben dans le plaza. Je me suis applaudi normal. Et là, M. Eugène, je sens madame Eugène. Je ne vais pas aller chanter, je sens madame Eugène. Madame Eugène même. Je sens madame Eugène. Oh, you. Mais de où la flamme dans la salle.